Moi, je vous le dis, la meilleure maison close de la région, c'est la mère Brandon à Yvetot. J'ai fréquenté toutes les maisons closes de la région. Il y en a 14. Franchement, je préfère Gaudierville. Rue Trouche-Vache avec la gamine qui chante en faisant l'amour. Ma femme en fait autant si je lui demande. Monsieur le notaire, j'ai infiniment d'estime pour vous et pour votre épouse. Mais en ce qui concerne ce genre de choses, vous n'y connaissez rien. Quand il vous prend le soir de vous y rendre, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour l'évasion. Les deux ne sont pas incompatibles. Allons, 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 messieurs, chacun ses goûts. Hein ? Vous êtes mes invités. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse. Moi, mon plaisir et mon évasion, c'est la chasse. Je suis un homme de la nature. Elle me rend heureux de jour comme de nuit. Oh, merci. Merci, Céleste, de prendre soin de mes dents. Évidemment, mon cher Baptiste, vous n'avez pas à chercher de dérivatif à vos soirées conjugales. Vous êtes veuf. Mon Daru a raison. Si j'étais célibataire, je sortirais moins souvent le soir. Je reste fidèle à ma femme. Une fièvre typhoïde l'a remportée en quelques jours. Chaque soir, je lui parle devant notre portrait. C'est notre dernière image ensemble. Marie-Thérèse, une sainte femme. Croyez-moi, mon cher, mon jugement vaut le vôtre. J'ai un certain goût pour les raffinements que nous sommes en droit d'attendre de l'autre sexe. Je possède une collection de livres érotiques, tous reliés, du 18e siècle. Ah, vous êtes comme ma femme. Quand nous accomplissons le devoir conjugal, une fois par semaine, le jeudi, elle se prépare en lisant ce genre de littérature. Exaspérant. Parfois, il faut que je l'attende. Oh, moi. Oh, vous connaissez l'histoire du bedeau qui a deux sexes? Non, 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 mais vous nous la rencontrez plus tard, après le dessert. On rabattra les perdrix sur le bois de Tournevent, j'ai fait le tour des niches. J'ai rarement vu autant de gibier. Les lièvres, ça pullule, on va se régaler. Ah. Mon fils, tu connais monsieur Mondaru? Monsieur? Céleste, ma gypsière est dans le placard de l'armise. Non, monsieur Baptiste, elle est dans votre chambre. Elle vous parle toujours comme à un gosse. Ça ne me déplaît pas. Bon, allez, un petit coup d'eau de vie avant la route. Hein? Oui, volontiers, ça réchauffe la tripe. Ah, ma gypsière. Mon père me l'a offerte pour ma première chasse. Et ma femme, Marie-Thérèse, y a gravé mes initiales. Allez, mes amis, en route. Merci, Céleste. Laissez, laissez, Céleste. Allô? Ça va bien? Instruction. Merci, Joseph. Allez. Ha ha ha.
Nature. On a eu. Pour votre gauche, ça plie légèrement. À nous deux, ma belle! À nous deux! Bermond, un lièvre! Ton père a fait un doublé! Le premier! Venez, venez, il est arrivé un malheur! On est allé chercher le docteur. Monsieur Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trébuché en tirant. Tu me reconnais? Mais oui, on va te porter dans ta chambre. Allez, déjà. Je peux rien faire. Les plans sont entrés trop loin. Il faut l'opérer. On va vous emmener à l'hôpital de Rouen. Je vais crever, je reste ici. À Rouen, on te soignera, ils ôteront les plans. Je viens de parler. Sortez, messieurs. Et vous aussi, Céleste. Sortez, je vous prie. Docteur, s'il vous plaît. Vous lui en donnez une toutes les heures. Ça soulagera ses souffrances. Il y a un espoir? Aucun. Approche-toi. Quand ta mère est morte, j'étais encore jeune. À un âge où il est difficile de rester veuf. Mais j'ai poussé ta mère à l'église devant Dieu. Il ne pouvait pas y avoir une autre femme ici. Oui, je comprends. Alors j'ai pris une petite arme. 18 rue de l'Éperlan. Troisième étage. Deuxième porte. Elle s'est montrée gentille. Aimante, dévouée. Une vraie femme. Tu vois ce que je veux dire? Comme je dis adieu à tout, je voudrais lui laisser quelque chose. J'aurais pu faire un testament, mais j'ai pas voulu. Je vais les faire taire. Laisse-les. Il me salue.
Elle s'appelle Caroline Donnet, D-O-N-E-T. Arrange-toi pour qu'il ne se plaigne pas de moi. Tu le peux maintenant. Tu as de quoi. Elle travaille chez Madame Moreau, la propriétaire du magasin à la mode de Paris. Son jour de congé est le jeudi. Elle m'attend. Ça dure depuis 6 ans. Elle va pleurer. Ne mets personne dans le secret. Oui, père. Maintenant, embrasse-moi. Surtout, ne dérange pas le curé, il me reprocherait d'être allé encore à la chasse. Et cette fois, il n'aurait pas eu tort. Je t'en supplie, n'oublie pas. Je dis à l'heure du déjeuner. C'est juré. J'irai. Il était aimé, respecté, considéré de tous. Admirable a été sa vie. Quand l'ennemi a envahi notre pays, il avait le grade de lieutenant. Il était à la tête de la section des gars de notre village. Par sa conduite exceptionnelle, il a réussi en se repliant à nous les ramener tous vivants. Baptiste, tu nous quittes. Mais tu vas retrouver ton épouse, Marie-Thérèse, qui t'aimait tant. Quand tu parlais d'elle, tu avais les larmes aux yeux. Elle était toujours à tes côtés, admirable. Monsieur César, c'est la soupe que vous aimiez tant. Demain, j'irai à Rouen. Faire des courses. Monsieur César, il faut que je vous parle. Asseyez-vous, Céleste. Oh non, non, ça me gênerait. Si je me permets d'aborder cette question aujourd'hui, c'est que monsieur Baptiste n'est plus avec nous. Votre famille est un peu la mienne. Ce que vous a dit votre père, je l'ignore. Mais à la ville, il y a des jeunes dévergondés qui améliorent leurs revenus en accordant leur faveur à des messieurs de la campagne. Si votre père vous a demandé d'aller la voir, allez-y. Mais n'accordez rien. Ces filles-là ne méritent pas qu'on s'intéresse à elles. Merci, Céleste. Bonne nuit. On va pouvoir commencer à rentrer le bois, monsieur. Ah oui, très bien, Joseph, merci. Allez ! Allez ! Allez !
Bonjour. Vous désirez ? Je suis le fils de Baptiste Otto. Monsieur César ? Oui. Mais pourquoi ? J'ai à vous parler de la part de mon père. Entrez. Asseyez-vous. Mais il lui est arrivé quelque chose, il est malade. Mais dites-moi. Mademoiselle, mon père est mort dimanche à l'ouverture de la chasse. Le malheur est arrivé dimanche matin. On l'a enterré mardi. Avant-hier. Il courait. Le fusil était chargé. Il a glissé. Les plombs lui ont déchiré le ventre. C'est à lui, le petit ? Mais oui. Avant de mourir, mon père a demandé que je vienne vous voir. Il m'a laissé du bien. Je vous donnerai de l'argent. Pour vous et pour le petit. Accepte. Je vous remercie. Pour lui. Quand voulez-vous que je revienne ? Je suis libre le jeudi. Revenez. On déjeunera. Vous me parlerez de lui. Je vous ferai la cuisine. Il disait que j'avais des talents de cuisinière. Je viendrai jeudi. Merci d'être venu. Monsieur César. Je vous apporte votre déjeuner. Hula. Yo.
Viens. On mangera si on a le temps, faut qu'on termine aujourd'hui. La nuit, il peut geler. Un acheteur, monsieur Amédée, est venu pour vous voir. Je lui ai dit de revenir demain. Joseph le recevra, demain je vais à Rouen. Oh. J'ai le droit, non? Avec mon père, vous discutiez pas? Je suis de Lisieux, monsieur César. Et à Lisieux, quand j'allais voir ma pauvre mère, je rencontrais monsieur le chanoine. Il m'a écrit pour me demander d'être sa servante. Je viens de porter ma réponse à la boîte aux lettres de la mairie. J'ai accepté. Je vous regretterai. Dans une église, je serai plus près du ciel. Merci, Céleste. Laissez le panier là-bas. Je reviendrai en fin d'après-midi, Joseph. Bien, monsieur. Bonne journée. Merci, Joseph. Allez. Bonjour. Entrez. Bonjour. Merci. Émile, viens dire bonjour. Émile ? Je t'ai apporté un cadeau. Asseyez-vous. Une première somme pour vous aider. J'en ai parlé au notaire, il vous fera 4 versements par an. À moins que vous préfériez des mensualités. Non. C'est très bien, je vous remercie. Vous n'en regardez pas le contenu? Vous me donnez ce que vous voulez. Moi, je demande rien. Ça vous est venu comment, le goût de la couture? Quand j'étais gamine, ma mère et moi, on vivait toutes seules. Elles travaillaient pour les châtelains du coin, une famille nombreuse. Alors, ils me refilaient leurs vieilles robes, puis moi, je les arrangeais à ma manière. Émile, à table. Mets ta serviette. Petit salé aux lentilles. J'adore. Je m'en doutais. Il me semble que c'est votre père qui avait dû me le dire. Il me parlait souvent de vous, vous savez. De moi? Oui. Je sais que vous a forcé à arrêter vos études après le certificat. Il avait peur que vous y preniez goût. Il voulait que vous deveniez un vrai paysan. Je regrette pas. Comment vous l'avez connu? Je venais de perdre ma mère. J'allais à Caen voir mon oncle. C'est lui qui m'a eu cette place au magasin. Et dans la diligence, j'étais assise à côté de votre père. On a bavardé. Je suis de la campagne, vous savez. Je sais traire les vaches, tuer une poule, un lapin. Je suis née à 20 km de chez vous.
Il était tout pour moi, vous savez. J'avais connu qu'un homme avant lui. Un gars de la ville. Pas intéressant. Vous aimez? C'est très bon. Mange tes lentilles. Je peux vous proposer du café ou des tisanes? Votre père prenait toujours des tisanes. Mon père, des tisanes? J'ai jamais vu en boire, il préférait les petits verres d'alcool. Ah, ici, il buvait un peu de vin, mais jamais d'alcool. Il adorait mes tisanes. J'en ai tout un choix. Donnez-moi celle qu'il préférait. Il m'a dit que vous aviez été fiancée. Oh, ça n'a pas duré. Elle a épousé un navigateur. Cette montre, c'est moi qui l'ai offerte à mon père. Ah oui? Un jour, il l'a oubliée ici. Il n'a jamais voulu la reprendre. Il faut que je vous quitte. On va se dire adieu. Donc, tous les 3 mois, Maître Mondaru, le notaire, vous fera parvenir l'argent. Donc, je vous verrai plus. Sauf si ça vous fait plaisir. Jeudi prochain? Je refuse pas. À jeudi midi? Je vous attends. À jeudi. Allez, allez.